cinquième avant de recevoir Annecy lors de cette huitième journée. Auxerre cultive ce paradoxe de ne toujours pas s'être imposé à l'Abbé Deschamps en trois rencontres disputées. Deux nuls, une défaite. Si les hommes de Christophe Pélissier savent se montrer efficaces en déplacement, c'est plus poussif à domicile où la meilleure attaque du championnat brille un petit peu moins. La tâche n'était pourtant pas évidente face à des Annéciens stabilisés en milieu de tableau et battus qu'à une seule reprise lors de la première journée. Les Auxerrois marquent à deux reprises dans la première demi-heure. Callens savait marquer un but contre son camp. Aillé porte la marque à 2-0. Il aura fallu attendre finalement la fin de partie pour voir Auxerre offrir un récital plus chatoyant à leurs supporters avec le but à la 85e minute. Gaëtan Perrin, bien servi par Gauthier Hein. Et à la 87e, le 4-0 avec cette reprise de Ryan Ravelosson au sortir de la victoire dans le derby à 3. L'AJ Auxerre enchaîne et monte sur le podium avant de retrouver l'Abbé Deschamps dans quelques jours pour y recevoir Rodez 4e. Avec cette fois-ci une confiance retrouvée devant leur public.